Donc les gars, comme j'étais en train de vous dire, aujourd'hui mon Mortal Kombat là, j'ai décidé de soutenir les artistes de Côte d'Ivoire, j'ai décidé de soutenir les boucantiers de Côte d'Ivoire. J'ai décidé de soutenir les artistes d'Afrique et les boucantiers d'Afrique. Aujourd'hui, je fais mon direct, je suis toujours dans le showbiz et j'ai toujours mes mouvements. Vous voyez, comme j'étais en train de vous dire, aujourd'hui là, quand on parle de musique aujourd'hui, quand on parle des gens qui savent amuser les Ivoiriens, les Africains, tout le monde aujourd'hui là, quand on parle de Didi B, quand on parle de Didi B, quand on parle de la team PA, quand on parle de Lil J, on parle de Fior de Bio. Fior de Bio a fait danser toute l'Afrique. Ah, il a fait danser l'Afrique avec ça. Fior de Bio a fait danser le monde, il a fait danser le peuple de Moïse qui traversait le Judée pour aller retrouver Canaan. Fior de Bio vient de loin. Quelque soit ce que les gens m'ont dit, non, Fior de Bio, Oyoki, c'est rentré, c'est sorti. On peut être ensemble. On peut tout faire ensemble et ne plus avoir le même destin. Aujourd'hui, là, Fior de Bio a décidé de rendre hommage à tous les boucantiers, c'est-à-dire à la majorité des boucantiers de Paris qui soutiennent. Fior de Bio a décidé, il m'a dit, ah, moi, j'étais là, Tribord, Fior de Bio, Mortal Kombat, c'est comment? Est-ce qu'on peut, tu peux nous donner 5 noms? Il a dit, oui, je peux vous donner 5 noms. C'est comme ça, dans les 5 noms, il a donné Sorito, il a donné Momo 911, il a donné Niska, c'est pas Petit L'Homme. Quand vous entendez Zidé de Paris, Gobé de Paris, Gobé de Paris, c'est Niska. Fior de Bio, là, il faudrait que les gens, il faudrait qu'on le respecte. Il a son spectacle au Life Star de Paris. Tous les Ivoiriens africains que Fior de Bio a fait danser doivent se déplacer massivement pour aller soutenir Fior de Bio au Live Star de Paris, chez Demba Fashion, chez Saint Zozo et chez Manu le Prince. Fior de Bio, ce n'est pas les morts des sports. Fior de Bio, lui, ne fait pas sport. Fior de Bio, il ne connaît pas sport. Fior de Bio, c'est quelqu'un qui fait de la musique pour avancer. Il vit de son art. Fior de Bio, on ne connaît pas, il arrive, oh mon fils, oh, il ressemble à Jésus, oh, mais il dit, je vais mettre le nom de certaines personnes à la demande générale de Serge Zozo, à la demande générale de Demba, à la demande générale de tous les managers dans un morceau pour les rendre hommage. Fior de Bio, ce n'est pas un moro de sport, c'est vrai, il dit, va rendre hommage. Mais si Fior de Bio dit dans son morceau, président MBC est la génération consciente, c'est MBC qui est le président. La génération consciente, c'est tous les membres de la génération consciente. Ils doivent soutenir parce que, mine de rien, Fior de Bio a fait la publicité de ça. Si Fior de Bio dit la famille phénomène, il parle de la famille phénomène, il parle de qui? Il parle de Sunko Gucci, il parle de Arrobas de Lyon, il parle de Prince Adon, il parle de Bodaba 1, Bodaba 2. Fior de Bio, s'il dit la famille Priprio, il parle de John Pripri, il parle de Cissé du Bouba. S'il dit la famille d'Aubervilliers, vous savez qu'il parle de tout le monde. Et, il faudrait qu'un artiste de Côte d'Ivoire se lève pour dire que moi, je vais faire une tournée en Europe. Il faudrait que quelqu'un revienne, on sache qu'il est revenu avec quelque chose. Fior de Bio est rentré en studio, actuellement, mais il est en studio. Fior de Bio est actuellement en studio. Le son finit ce soir-là. Le morceau de Fior de Bio, là, ça finit aujourd'hui soir. Oui. Le morceau de Fior de Bio, là, ça finit. Ouais. Il essaie d'être direct, je te rappelle. Le morceau de Fior de Bio finit aujourd'hui soir. Donc, toute la Côte d'Ivoire doit aller, tous les Ivoiriens, les Africains, doivent aller soutenir Fior de Bio. Parce que Fior de Bio, là, c'est pas n'importe qui. Fior de Bio, c'est une légende. Fior de Bio, nous avons dansé. C'est Fior de Bio qui a... C'est Fior de Bio qui a commencé à dire non, 1 million de vues, il a fait 2 millions, c'est lui qui a commencé à inspirer la jeune génération, a fait des 1 million de vues, 2 millions de vues, 3 millions de vues, Donc nous là, on doit aller soutenir Fior de Bio demain, massivement, au Live Star. Dis on est là pour Fior de Bio. Qui nous a chanté, qui nous a pas chanté, mais on est là pour Fior de Bio parce qu'on aime Pokosu, Alele, Pokosu, ou bien on aime tout ce qu'il fait en général. Donc les déplaçons-nous. Ce qu'on a fait à Arafat, et puis ça n'a pas plu. Il a pris sa moto, il allait avec beaucoup de choses dans la tête. Et puis il est décédé là. On ne doit pas, on ne veut pas que ça arrive à un artiste. On ne veut pas que ça arrive à un artiste. On ne veut pas que ça arrive à un artiste. Donc Fior de Bio même, il est là. Je vais appeler Fior de Bio dans le thème, il est là. Il arrive Fior de Bio, l'autorité BDS, Fior de Bio est là. Voilà l'autorité BDS chanté dans le dernier, Lil J. Fior de Bio est là, Fior de Bio. Il a lancé le direct, il arrive, Fior de Bio est là. Vous allez voir. Aujourd'hui, il a décidé de faire la promotion de tous les artistes ivoiriens et africains. Voilà. C'est comme ça qu'il a décidé de faire. On est fatigué de travailler pour des gens qui nous donnent des enveloppes. Et puis, dans les cas, ils fouillent l'enveloppe, il y a toujours deux pieds de 2000 salles ou bien deux pieds de 2000 propres. Il n'y a plus dedans. Voilà.
Là, maintenant, je travaille maintenant pour ma propre culture. Je fais ce que je devais faire. Donc, Fior de Bio, il est lancé. Fior de Bio, il arrive. Aucune réponse de Fior de Bio, il va relancer encore. Il relance encore. Voilà, Fior est là. C'est bon, Fior, calme un peu. Oh, calme, tu connais ma gueule. Ah, voici Fior de Bio, hein, les gars. Mettez les cœurs. C'est de ça qu'il est en train de vous parler là. Tu m'entends, Fior? C'est bon, Olivier. Ouais, c'est bon, ça va un peu. Voilà. Les amis, voici Fior de Bio qui est là. Voici Fior de Bio. Un artiste qui se cherche. C'est lui-même qui fait sa production avec ses amis, les tribaux. C'est lui-même. Fior de Bio n'est pas dans. Il n'a jamais signé pour dire qu'il va signer à dans une grande société, dans un grand label de. Comment on appelle? C'est lui-même qui se cherche. Il gère ses mouvements avec son staff managérial. Il est là, il gère ses mouvements. Aujourd'hui, le jeune a décidé d'aller faire une grosse tournée européenne. Il faudrait que cette tournée soit une tournée. Il faudrait que les Africains, les Ivoiriens qui se sentent en Fior de Bio, plus soutenir Fior de Bio, t'aimer au lifestyle. Ramadan, et là, il y a tout un concours en ville. On me dit non, Fior de Bio, concours, il arrive à Paris, les vieux font plaisir, mais après, ils ne chantent pas dans les vieux. Il y a pris ça aussi, tu vois, par exemple, laquelle, non. Moi, mais voulu dire dans le direct, il voit que tu parlais un peu de ça. Donc, mon mari m'appelle, il me dit, ah, le vieux, moi, m'entend parler de ça un peu dans le direct. Donc, j'ai dit, dans le direct, je vois un peu. On voit un peu la science. En tout cas, pour la vie moi de Paris, ne vous inquiétez pas, ici au studio, comme tu l'as dit, ici dans ton studio depuis que j'ai ici au labo, peut-être pour se reconnaître ou pour la vie, pour faire plaisir à tout le monde. Et on me pense que le fier ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Mais à base, il vient écouter ton direct, il voit que bon, mais c'est pas trop sport. C'est souvent au passage, mais c'est important. Donc cette fois-ci, il y a décidé de rentrer au studio uniquement pour les morts de Paris, pour faire plaisir au Mongo. Et c'est vrai aussi qu'il arrive à Paris, les morts font plaisir, mais c'est pas en retour comment la monnaie aussi. Donc, c'est pas ce. Tu vois, c'est pas ce fond-là. Demain, c'est là on voit qui est venu, tu vois. Je dois faire plaisir de me rendre Paris, vraiment mon soutenu depuis ma première tournée jusqu'à maintenant. Donc c'est normal. C'est normal qu'il rentre au studio pour faire plaisir de me rendre Paris. La famille Phénomène, tous mes éléments, la famille MBIS, Génération Consciente, tout ça. En tout cas, tous mes éléments de Paris, Toti Diarra, Fasquelle de Bamba, tous mes éléments. En tout cas, vous êtes sortis. Gros os, le gâteau est très bête, le gâteau est très gros. C'est demain, ça c'est passé au live, ça c'est pour remuer là-bas, pour remuer Paris. Tous les joueurs, tous les malinqués, les maliens, c'est votre fête. Les Guinéens, c'est votre fête. Les Burkinabés, c'est votre fête. Venez nombreux, on s'amuse ensemble. C'est pas que les Ivoiriens, c'est pas que les Ivoiriens qui chassent aussi. C'est vrai que dans le moment des gars, c'est pas que les Ivoiriens, tout le monde, il y a les Congolais, les vieux Morocs, et un vieux Moroc, Aoucha même. Mais il est très pris. Il faudrait que la grande famille Pripri sorte. Il faudrait que la famille Phénomène, il faudrait que le président MTC, tout le monde vienne soutenir Fior de Bio. En tout cas, le show de Fior de Bio doit rester marqué dans la tête de l'homme. Parce que Fior de Bio, c'est pas n'importe qui. Fior de Bio, c'est une figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, il faut prendre Aïcha Kone, il faut prendre Amédée Pierre, il faut prendre Niaoule Jimmy, il faut prendre Lugafa, il faut prendre tous les grands artistes qui ont marqué. Je vous jure que même si c'est à la 1000e place, vous allez attendre le nom de Fior de Bio. Et c'est Fior de Bio qui est là. Il vous donne rendez-vous demain au Lifestar de Paris. Il a décidé de faire un jeune son. Fior de Bio, c'est pas Léo. Si tu as dit à Fior de Bio, j'étais comme Léo, il ne va pas faire. Voilà pourquoi dans le dernier Fior de Bio, il a dit ah, po, c'est de Paris, un peu de Paris, po. Il a fait un truc pour vous. Venez écouter demain. La grande famille d'Aubervilliers. La grande famille d'Aubervilliers. Ayouba le pétrolier. Ayouba le pétrolier. Yayous le pétrolier. Ali Bongo Lacoste. Abbas Diaby. Sortez massivement pour soutenir notre jeune frère Fior de Bio qui fait son bonhomme de chemin. Qui n'a aucune production, à part lui-même ses propres moyens, ses propres fonds avec Tribo, son staff, qui peuvent réaliser les œuvres. Donc, je demande à tout le monde de sortir massivement. Fior, est-ce que tu as un concert? Tu as prévu un concert à Paris? Est-ce que tu as un concert prévu à Paris? Dans les mois? Bon, on n'a pas encore prévu un concert à Paris, mais ça sera vers les vacances, ça sera vers juillet, là-bas, septembre. On essaie d'organiser un gros concert. Mais à Paris, moi, je ne voulais pas faire de show. Je ne voulais pas faire de show maintenant, même pour Ramadan, je ne voulais pas faire de show, mais vu que tu as un peu d'engouement, je suis bon. Ça ne sert à rien de faire un petit oui, une petite boîte de nuit, mais ça veut s'amuser, ça mieux, on fait un gros oui. Tout le monde est là, il y a tout le monde, ça vient de partout, on fait la fête ensemble, et c'est bon. Ok, Fior de Bio, vraiment, ne quitte pas, hein, il est prêt. Donc, Fior, moi, je veux que tu invites, je veux que d'ici, à travers ceux qui nous regardent, je veux que tu invites la famille Prix Prophète, je veux que tu invites les grandes familles comme la Génération Consciente. Ben, Managas, ça commence à un peu. Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu as prévu demain pour le spectacle de Fior de Bio? Parce que, mine de rien, là, tu n'es pas n'importe qui, tu es un grand manager. C'est vrai, dans le temps, même si on parlait de la réunion des familles, on parlait de temps en temps, on parlait aussi de ton mouvement que tu organisais à l'Algodrome. Parce que le mois a pris un coup, c'est toi qui as été le messie de l'Algodrome. Je sais que tu ne vas jamais rendre petit le monde des frères. Mais qu'est-ce que tu réserves pour le spectacle des Fior de Bio, mes frères? On est là, tout le monde nous regarde. Qu'est-ce que tu réserves? Tout seigneur. Le tout bruit. Bon, salut à tout le monde. Mais comme tu connais, hein, voilà, il y a. Déjà, Fior, c'est.
comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une figure emblématique de l'homme de Dieu. C'est quelqu'un qui vraiment qui bataille dur pour le sud, qu'on appelle, pour mettre le mouvement en haut, tu vois. Voilà, il était important. Déjà, il faut dire que nous, on a commencé le projet de l'Est avec lui. Son premier jour en Bengue, quand on était encore nous, c'est nous, quand on est venu encore, son deuxième jour l'Est, quand on est arrivé l'Est après DJ Mix, c'était le deuxième artiste, il nous a donné de la force. Donc là, on ne reposait pas trop. On peut aussi dire qu'en majeure partie, on a eu la vie. Mais l'artiste a compris cela. Il a compris cela. Il a décidé vraiment. Il connaît ta force de frappe. Nous, aujourd'hui, là, notre objectif, c'est de rendre nos artistes grands. Et même les artistes qui ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. Tu comprends un peu? Donc, moi, vraiment, le show des Fleurs des Doges, aujourd'hui, là, jusqu'à demain, je serai là pour mobiliser, motiver tous ceux que je peux motiver. Je suis assis ici, hein, mais je sais ce qui se passe à Aubervilliers. Je sais comment on passe pour aller chez Tico. Je sais comment on passe pour aller chez Marco Dialito. Donc, je lance un appel à toute la notabilité, à toute la grande notabilité, c'est-à-dire qui, le président Macron, je lance à tout le monde, fonctionnaire Sabatini, toute la notabilité de Marco Dialito de venir soutenir Fior de Bior. Sortons maximum, que tu sois Ivoirien, Burkinabé, Togolais, tout le monde, allons soutenir Fior de Bior, qui est notre jeune frère qui se cherche dans la vie active, qui se cherche et qui continue de se chercher. Vraiment, Fior de Bior, ton dernier mot à tous ces Parisiens, à tous ces Africains. Et puis bon, Zozo va lancer un appel et puis toi tu connais. Donc, pour la famille, bientôt, on va aller, rendez-vous demain. Voilà, on va s'amuser ensemble, il y a besoin de vous, il y a besoin de tout le monde. Voilà, sortez massivement, faites la fête ensemble. Ça fait très longtemps, ça fait moins un an, le FDB, le Bombala, n'a pas fait de showcase à Paris. Venez, on s'amuse, venez, on gâte. Vous connaissez le FDB, le Bombala, donc il descend, le Saint-Esprit descend, il y a toujours un coucou. Il vient pour gâter le coin, trop aller. Rendez-vous demain. Il voit tous mes vieux morts, tous mes éléments de Paris. Pas citer le nom, il y a payé mon sol. Et je demande à toutes ces personnes, qui m'ont une fois parlé, dit à juste comment bien frère, c'est comment par rapport à Fior, je vous donne ma parole, venez demain, voilà, vous ne serez pas dessus. Et si l'antenne est faite, c'est pas plus un morceau qui va dire au laboratoire, non, quand il va finir, bien faire le travail, clipper, il met ça en ligne au plaisir de ses fans, voilà. Et il a décidé vraiment de vraiment penser à vous, voilà, chose qu'il ne faisait pas trop avant, cette fois-ci, c'est pour de bon, voilà. Fior, c'est pas n'importe qui. C'est bien petit, hein? Sa télé, c'est plus que l'écran géant. On va pas le voir. C'est-à-dire, c'est ce qu'on place nous quand on regarde ballon à l'air libre. Même la journée, tu vois lumière là. Non, c'est pas petit télé. Rendez-vous demain au Leicester, 9 rue de la Poterie. Tout le monde connaît Leicester. Parce que à Saint-Denis, voilà, c'est la maison basse, c'est le carrefour inter du showbiz parisien. Donc, venez demain, on va s'amuser massivement. Voilà, le palmier est là, on va servir assez de sauce graines avec le Bombala. Maintenant, Fion, comme on a fini la petite partie là, à pour légèrement vous motiver. Si t'es de Paris, hein, la partie là, non, t'es champion, on fait ça quoi. Il faudrait que les vieux, il faudrait que tu l'envoies pour aller croiser les vieux pays. Il doit être au Massou. Non, ce soir, on sera au Massou. Voilà, dès que vous êtes au Massou. Non, comme il t'a dit là, Mota Combat, les gens étaient encore dans le monde direct. Fior, je suis très enjaillé. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton spectacle, que Dieu soit avec toi. Je suis sûr que quand il a dormi matin, il est réveillé vendredi là. On dit, vous, ouais, vous m'avez envoyé des montants comédiens là. Parce que je sais que tu vas envoyer mon OM, vous m'avez envoyé mon cœur n'est pas bon. Vendredi, je vais bien manger. Hein? Je mange encore vendredi. Je vais très bien manger. Vraiment, ici, j'ai les amis, que Dieu vous bénisse. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça maintenant. Hein, je fais la publicité, la promotion des artistes ivoiriens et africains. On est ensemble. Zozo Serge, on est ensemble. Voilà, n'oublie pas aussi. On est ensemble, voilà, les gars. N'oublie pas aussi, Fior de Bior, donne rendez-vous à tous les Parisiens le 5 mai au casino du concert de ses frères, la Team PA, au casino de Paris. Voilà. Et il sera là. Voilà, il sera là aussi. Il sera de la partie. Au casino de Paris. Il y avait organisé aussi un concert parce que j'ai vu un concert de Fior qui m'a touché. C'est où il a fait un concert à Nice, sous la Tour Eiffel. J'ai vu les wesh. Quel est le wesh? C'est pas les. J'ai vu les vrais wesh. J'étais dit, ah, coco. Il me jure, il a coulé les larmes. Parce que vraiment, Fior, tu es un champion. Tu es un chef, tu es un champion. On se donne rendez-vous pour ton album qui va sortir très bientôt parce que c'est que tu te pas un grand morceau. Ça sera pas du jeu. On est ensemble et que Dieu bénisse tous les Ivoiriens qui vivent en Europe et tous les Africains. On est ensemble. Merci de... Donc, les amis, vous avez vu, non? C'est comme ça maintenant, ça se passe. Voilà, c'est comme ça se passe maintenant. Maintenant, c'est comme ça se passe. Fais la promotion
des artistes, j'ai fait la promo là, personne, il n'y a pas un manager. J'ai dit, il n'y a pas un manager. Si la terre, qui est fort que moi, mon temps de combat, il n'y a pas, Si tu dis que tu es fort, demande à un manager, est-ce que toi, tu es fort que mon temps de combat? Il va s'asseoir pour moi. Et puis, il va réfléchir. Parce qu'il sait que moi, où on ne rentre pas, il rentre. Où on ne rentre pas, il rentre. Donc, il va, comme ici, en même temps, il va profiter pour faire la publicité de mon frère Jojo le Cotonnier, s'il est là. Jojo le Cotonnier, s'il est là. Ah, c'est pas faux, hein? Et quoi, t'appelles ça? Alors, le riche malien, il n'y a pas l'homme. Il faut que tous les managers, faut les, si tu croises un manager, il faut dire au manager, est-ce que tu as fort que mon temps de combat? Il va tiquer, il va te regarder. Et puis, il va dire, non, c'est à dire, c'est rentré, c'est sorti. Moi, il n'y a pas l'homme qui a fort que moi. Il y a matinée, il est fait dans le pays, là, il n'y a pas l'homme qui a fait. Matinée est fait, là, il n'y a pas l'homme qui a fait. Soirée est fait, il n'y a pas l'homme qui a fait. Non, il y a eu, là, il n'y a pas l'homme qui a eu. Et puis, il est là. Moi, il n'y a pas artiste qui a lancé mon nom, il n'est jamais manager d'artiste. Il n'y a pas artiste qui a acheté, qui a parlé de moi. J'ai la même mix, acheté 240, ou bien lui l'a acheté. Moi, à base, hein, je me suis fait seul. Je me suis fait seul. Je lutte seul. Et puis, il gagne mon nom seul. Et c'est un roi. Il est un roi qui reste dans son royaume. Et puis, il dit à l'attaque. Il dit à l'attaque. Et c'est sur mon cheval. Et puis, il attaque la DC. Donc, comme on va profiter en même temps pour voir Jojo le Cotonnier, s'il est là pour nous parler un peu de ce qui se passe avec Mercure du Soudou. Jojo le Cotonnier, si tu es là rapidement, mon vieux père, Jojo le Cotonnier. Voilà. Jojo le Cotonnier, là, on va parler rapidement du Mercure du Soudou. Comment ça se passe? Voilà, parce que Jojo le Cotonnier, il faut venir rapidement, mon vieux. Je ne sais pas s'il est là. Taguez-moi Jojo le Cotonnier, il va nous parler du Mercure du Soudou. Voici Jojo le Cotonnier qui est là, mon vieux. C'est moi d'accord. On a vu, comment on appelle ça, Meda Doba qui ne fait jamais de discours. Voici le Mercure du Soudou qui est là. C'est lui-là, le Mercure du Soudou. L'artiste produit par un groupe qui travaille actuellement avec celui-là, mais qu'on appelle Jojo le Cotonnier, grand promoteur de spectacle à Paris. L'une des personnes les plus influentes de la génération consciente. Mon vieux, on a vu la dernière fois Meda Doba, quelqu'un qui ne parle pas. Ok, il y a des rien. Moi, je n'ai jamais vu Meda Doba, mes photos. Il y a des rien, vite fait. Concert. Comment le concert se passe? Il y a des rien, vite fait. Meda Doba, tu m'attends ou pas? Tu m'attends? Oui, t'attends bien, tout le monde t'attend, okay. Tout le monde te regarde. Ok, Meda Doba, d'abord, il n'est pas fautif. Faut pas salir quelqu'un parce que tu as ton business. Meda Doba n'est pas fautif, tu m'entends? Ouais, t'attends, tout le monde te regarde, mon vieux. C'est okay. Pas tout le monde. Ok, et puis Alain, tout ça aussi n'est pas fautif. Ni moi aussi, je suis pas fautif. Mais c'est propre. Moi, j'assume mes dits, je suis en France. Même dernier matin, je vais me prendre pour ma voix. Mais c'est le propriétaire de l'espace là qui a été, j'ai dit le mot, c'est loup, mais c'est vrai, elle a été malhonnête avec nous tous. Ça a failli le mélanger. Mais conscient que nous sommes, on a su se rattraper, comme se ressaisir. On a géré. Moi, j'ai préféré prendre une autre sac. Donc, je n'empêche pas aussi mes frères à continuer le mouvement. Moi, je ne suis pas là pour prendre ce coup comme tu as dit à tout le monde. Voilà, le showbiz, c'est un terrain large. Voilà, tu peux nager où tu veux. Tu n'es pas obligé de nager sur le chemin de nos jamais de la vie. Et je ne l'ai jamais fait. Donc, tout est carré. On coche chaque jour que Dieu fait. Tout a été retrouvé. Le concert tient. Les tickets, ça sort comme ça sort. Il y a pris au sable. Je ne suis pas là pour faire parler avec mes frères. On est tous pareils. On ne peut pas venir ménager dans tout le kéké. Si la femme n'a pas donné la salle, il ne peut pas venir faire mon affiche. Parce que moi, j'ai fait ma communication pendant 2 semaines. Et voilà. Et puis, encore une fois, maman, la mousse, elle a mon agent là-bas. C'est tout ça, mais je me demande comment aller en question. Tu vois, non? C'est parce que non, moi, je n'ai pas l'histoire dans le milieu, jamais. J'ai mon petit chemin que j'ai fait. Voilà, je ne me suis pas ménagé pour arriver où je suis là. Donc, je n'ai pas ménagé avec mon propre frère. L'homme qui n'est pas mauvais, là, pas dit qu'il est mauvais parce que tu veux l'argent. Tout ça, il m'a fait quoi? Mais d'ailleurs, il m'a jamais rien fait. On est tout ensemble ici. Mais c'est la femme qui a voulu pogner nos deux têtes. Mais moi, je me suis réveillé. Et j'ai laissé mon âme là-bas et elle m'a copié mon âme elle-même. Mais j'ai pris au sale pour lui dire que moi, je suis un garçon, il n'abandonne pas quelque chose. Voilà, je vais blanchir l'image de mon artiste. Je vais dire que voilà. Donc j'ai pris au sale. Le conseil est tout là. L'artiste finit son conseil pour ne pas donner sa date parce que lui aussi, il a sa vie. Il rentre 2 jours après parce que son visa il va s'inspirer. Donc il ne pouvait pas reporter au 21 comme les gars demandaient. Il expliquait ça à tout le monde. Voilà, donc frère, merci pour tout ce que tu fais. Sache que le truc est là et puis il n'y a pas de problème ici dans la diaspora, jamais de la vie. Le frère Média n'a jamais fait vidéo. Il n'a jamais fait des sorties. Donc je ne vais pas dire parce que c'est mon fils et je le salue, jamais de la vie. C'est la femme là, tu m'as donné. Et après la vie que le gars est parti maintenant payer ce qu'elle dit, d'après elle devait. Donc elle a fini de payer en même temps, c'est une pas moi. Quand il est devant elle, quand l'autre elle accepte. Elle nous a couru la tête, après on a compris nous-mêmes. Sinon, si elle n'a pas donné autorisation ici en France, si tu t'amuses, tu vas en prison. Tu ne veux pas, comment dire, prends l'adresse de quelqu'un. Tant que tu n'as pas un contrat avec lui, tant que tu n'as pas donné ton argent, mais il te poursuit, tu vas en prison. Mercure du Soudou, viens parler avec le CNO. Non, il est en direct, parle avec lui, parle avec des fans pour ton conseil. Mercure du Soudou est là. Mercure, ça commence à faire un peu la vie. Ouais, tu me maîtrises et puis voilà, je dis à Dieu de bénir. Est-ce que tu es bien préparé pour ton conseil? Non, il n'y a pas de bruit, plus que c'est Dieu qui tire la chair. Donc, je ne peux pas me tenir confiant parce que le Syrien est ce que poussière. Est-ce que tu vois la carte?
Lui qui dit qu'il est merveilleux, c'est Dieu. Tu vois, le mouvement qu'on dit là, rien n'était boycotté au fait. Le problème, c'est que nous, on allait lancer la date avant même que puis on appelait Mbeda, tout ça, on appelait les gens pour annoncer. Tu peux bien te renseigner. Deux semaines après, ils viennent nous dire maintenant qu'on a annulé ce qu'on a été fait. Et ils vont faire les trucs dans Musumbi. Soumbi a fait un poste pour dire il ne peut pas gêner le petit. Tu comprends? Soumbi, c'est un doyen. Il me l'a dit. Il dit petit, là, laisse-le va te débrouiller. C'est un petit, il ne gagne pas Baouin. Nous, au moins, là, on gagne les petits rions d'abat. Mais toi, mais quand tu dis, ah, mais tu sais qu'il ne gagne pas Baouin, c'est souci qui a me dit à Dieu. Où est-ce là, là? Je suis stressé. Tu comprends? Il a laissé une grande vision derrière moi. Pas pour France, mais pour le faire pour le monde entier. Tu comprends? Soumbi, ce n'est pas mon ami, hein, c'est mon grand frère, ce n'est pas mon camarade. Dans la milieu, ce n'est pas mon ami. Ah. Il ne sera jamais mon ami même. Tu vois, c'est quelqu'un qui est sage, qui peut te parler comme ça. Sinon, moi, mes qualités, c'est très dangereux aussi. Et puis là, je suis là, je fais mes millions de vues. Ça, tout le monde me connaît pour ça. Mais ça ne suffit pas quand tu veux réussir. Voilà, moi, je vais demander pardon à mon vieux. Dans la vie trop pressée, tu arrives en retard. Le retard n'empêche pas le bonheur. Arrête de trop courir, frère. Mon ami, quand tu marches, tu arrives là où tu as envie d'aller. Si ton fait les nengue, nengue, c'est parce qu'on veut te faire ici, nengue, nengue. On te chatouille pour que tu ris, pour qu'on voit dans tes yeux. Nengue. Voilà. En tout cas, les gars, c'était voilà, le 14. Produit le 14. Dimanche 14. Tout le monde allait le soutenir aussi le dimanche 14. Le mercredi du jour. On n'oublie pas. Hein, voilà. Les tickets sont à 20 euros. Voilà. Le voilà. Venez soutenir Mercure. Et je ne le fais pas pour moi. Ouais. Voilà, okay. Mais je le fais pour tous les artistes de la Côte d'Ivoire. Je le fais pour ceux qui sont derrière moi aussi que je veux tirer. Parce qu'il a vu que dans la musique, si c'est pas l'argent, hein, mais que seulement que le respect des grands frères comme les Soumbi, les Yodé, les Ri Patron, tu vas voir que tu as monté. Parce que si un mouvement, il va dire mon petit, viens faire première partie. Moi, je ne sais pas milliard. Que Dieu me donne le peuple pour m'occuper de ma famille. Parce que les milliardaires se suicident, vieux. Tu comprends? Les milliardaires se suicident. Toi, actuellement, tu n'es pas milliardaire, mais tu manques de rien parce que tu manges ce que tu veux manger. Quand on te voit, on sait que tu manges ce que tu veux manger. Tu bois ce que tu... Mais ces femmes-là, tu fais entendre. Parce que tu ne mougues pas tout. Je te connais toi-même. Ah, je te connais. Je suis fan. Merci. Qui te donne la force, le mec du Zoom. On ensemble. On ensemble. Merci, mon vieux. Vraiment, merci beaucoup. C'est ce monsieur-là qui m'appelle à l'ambassade pour ma première fois. Première fois, c'est mon vieux père. On ensemble. Merci. Que Dieu te bénisse, Dieu. On ensemble, vas-y. Donc, les gars, c'est comme ça maintenant. Demain, on aura. Il n'y a pas. Chacun peut venir écrire sa page que je suis fort. Mais est-ce que tu es fort que Mortal Kombat? C'est de ça qu'il s'agit. Celui-là peut se pour dire que moi je suis fort. Lui va se dire que je suis fort. Lui va aller me dire fort. Mais est-ce que tu es fort que Mortal Kombat? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Est-ce que tu es fort? Il y a la chance. Il y a la chance dans la vie. Il y a la chance. Celui qui a la chance n'est pas forcément fort. Celui qui est fort n'a pas forcément la chance. Mais moi, il y a la chance. Et je suis fort. Donc les amis, c'est un peu ça. C'était Mortal Kombat, le combattant le plus fort, le plus puissant de sa génération. C'est le combattant le plus fort, le plus puissant de sa génération. Je tiens en même temps à saluer la grande famille Pripri. Saluer mon petit Ali Bongo Lacoste, qui est là, qui sera là pour soutenir Fleur des Blocs. Je salue Doumi Kati, la machine à sous, Popo Chené, le responsable. Je salue tous les jeunes d'Adjamé Habitat Extinction. Je salue tous les jeunes d'Adjamé complet, Latin, Bracodi, 220, tout le monde. Je salue tous les Benguis. Je salue en tout cas tous ceux qui me connaissent. Soyez salués. Salutations spéciales à la grande famille Pripri, à la génération concernée du président MBC Sorito, bien évidemment, pour Mickey Blanc. Salutations à toute la grande famille Phénomène, au grand complet, Sumko Gucci, à Robas de Lyon, Prince Adon, Petit Génie, Boudaba 1, Boudaba 2, à la famille d'Aubervilliers. Salutations à Scotty Sefa. Salutations spéciales au cartel Digital Garçon Célèbre. Aristide DiCaprio, Moses de Paname, U sénateur Hugo Bessiao, Rodrigue Gollet, le gros constit vous donne la force. Que Dieu vous donne le courage d'affronter la vie. Que Dieu vous donne le courage d'affronter la vie. La force d'un homme, ce n'est pas ne jamais tomber, mais c'est relever à chaque fois qu'il tombe. Ne sois pas sur la croix aux côtés de Jésus. Dit Lama Sabatani. Non, évite ça. Ce qui veut dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Évite de dire ça. Lutte, faut brouiller. Sois fier de toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force à tous les combattants qui combattent de manière positive pour lutter. Pour que tu restes, pas qu'il n'a pas embêté. Ce qui veut dire que ta vie soit bien. Que Dieu vous bénisse. Force à vous. Courage à vous. C'est Mortal Kombat. Le créateur de la réunion de famille, le manager le plus très, très puissant. Salutation spéciale à mon boss Daouda, le célèbre. Le célèbre Daouda Dev, le sultan. Salutations à vous, le grand boss Cameroun. Sigé Danobo, Urich Monet de Souza.
Salutations à l'autorité Bédès. Sois salué depuis ta position. Salutations à tous les enfants d'Adjamé. Tous ceux qui considèrent Adjamé Habitat Extension. Soyez salués. Salutations à Serge Zozo, à mon vieux père Manu le TGV. Salutations à vous, Mokta Doumbia, la grande CAF, le sénateur David Palmer, Darren de Pétrolier, le seigneur Louis Aga, Ismo Manadja, Joey Manadja, Pacom Chocoto, soyez salués. Abdou Gomez, le charismatique, Jean 32 Kara, soyez salués. Mes amis Fly Manadja, le Didier Drouba, soyez salués. Morel, demain, avec Zaba le requin, Samo Samo. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Et le mortal combat, le manager le plus très, très dangereux. On est ensemble. S'il y a des petites questions que vous voulez poser. Sinon, moi, je finis. Hein. S'il y a des petites questions que vous pouvez poser. Hein. Voilà. Salutations. En tout cas, j'ai fini de saluer tous ceux que je peux saluer. S'il y a des questions. Stéphie Conan, hey, salutations au plus grand photographe. Stéphie Conan, un grand photographe aussi qui va immortaliser. On aura le temps d'échanger avec lui. C'est vrai que vous connaissez Checker Photo à Paris, mais il y a des grands photographes aussi comme Stéphie Conan. On va essayer d'échanger avec lui et avec Checker. On va essayer d'échanger. Aujourd'hui, là, à chaque homme son époque, à chaque époque ses hommes. Voilà. Il y a eu Pata Papara, il y a eu Pata Papara. Il y a eu tout le monde. Aujourd'hui, là, il y a Checker Photo et puis il y a Stéphie Camon. C'est ceux-là qui règnent aujourd'hui. C'est ceux-là qui règnent sur l'industrie du showbiz français et européen en matière de visibilité. Stéphie Conan, ça salue. Salutations au plus grand hypocrite du monde entier, Didier Light. Le plus grand hypocrite qui voulait me voir couler. Mais Dieu a fait que lui-même, il coule chaque jour. Voilà, il n'y a plus de chocoya. Donc, salutations spéciales au plus grand hypocrite des États de l'Afrique de l'Ouest, Didier Light. On est ensemble. Que Dieu fasse que tiens. Ou avec Samo Samo. T'aimer avec Sagba le requin, Samo Samo. Ouais, Désiré Rabat, soit salué, frère. Pas salué. Excuse-moi, c'était pas salué. Soit très salué. On dit Montal, pas soit salué. C'est une zézé, vous allez-y. Donc, un peu, c'est vous, ouais, non, un peu, la gars, c'est ça. C'est mon direct. Il dit ce qu'il veut. Voilà. Il dit ce qu'il veut. C'est mon direct. C'est moi le plus fort. La chance n'a rien à voir avec le fait d'être fort. Ou bien être fort n'a rien à voir avec la chance. Mais moi, il y a la chance et puis il y a les deux. Muscados Sanchez. Lui, là, c'est pas salué, c'est foutu. Salutations. Et puis, demain, mon invité spécial, même, c'est Sorolo Diatta. On va débattre sur Sorolo Diatta aussi demain avant que le truc n'arrive. Tout le monde va nous expliquer ses projets, pourquoi il a décidé de laisser la musique sport, tout et tout. Donc, on est ensemble. Big up. Bye bye.